Alors bonjour à tous, bienvenue sur le studio Vaillant pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est avec une Renault Sport comme vous pouvez le voir, c'est la deuxième de la chaîne. Et là on est allé au step au-dessus puisqu'on est sur la Clio RS Trophy. Allez, je vous laisse sur cette vidéo. Donc voilà, là on est face à une Clio 4 RS Trophy, mais bon, elle a un petit côté spécial, une petite personnalisation. Donc on est avec notre ami le proprio. Bonjour. Donc ça fait combien de temps que tu l'as la voiture? Je l'ai achetée au mois de janvier. D'accord, ah oui, c'est récent. Le 8 janvier, donc c'est assez récent, ouais. Et toi, tu as fait tout ce qu'il y a dessus au niveau personnalisation? J'ai absolument tout fait ce qu'il y a dessus. Ouais. Donc tout ce qui est covering. Admission, ouais. J'ai changé l'échangeur et l'aileron que j'ai rajouté par-dessus aussi. Qu'on voit là-bas. Et elle était rouge d'origine, c'est ça? Ouais. Rouge flamme d'origine. D'accord. C'est un beau rouge en tout cas. Et de toute façon, il ressort bien là avec le soleil qu'on a aujourd'hui. Et du coup, sur la face avant, donc là, on est sur une phase 2. Donc on a évidemment les damiers qu'on reconnaît. Donc ils sont assez visibles, surtout la nuit. Les feux, est-ce qu'ils ont changé avec du LED ou quoi que ce soit? Les feux, non, c'est déjà du full LED. D'accord, donc ils n'ont pas évolué, quoi, de toute façon. Ouais. Les changements ne sont pas énormes sur cette phase 2. Pour l'instant, non, j'ai encore des projets à venir, mais... Ouais. Et le logo black d'origine aussi? Non, ça c'est moi qui... D'accord, c'est toi qui l'as fait. Et sinon, en bas, on voit bien au niveau des grilles. Bon, là, du coup, on a le radiateur. Est-ce que tu as... Au niveau des pièces, refroidissement moteur, tout ça. Juste l'échangeur qui prend la place d'origine. D'accord. Échangeur Wagner. Ouais. Parce qu'après, tout ce qui est AirTech ou autre, il faut faire 2-3 modifs sur le pare-choc. D'accord. Donc je voulais aller au plus simple. Ouais. Et sinon, tout le pack noir, tout ça, c'est d'origine. Ça va avec le... Non, ça a été fait par Adi Custom. D'accord, donc toute la lame, le... Lame avant, le logo avant-arrière, le diffuseur. Ouais. Bah, franchement, ça ressort très très bien, surtout avec le rouge. Et puis ça lui donne un air agressif, surtout avec les petites virgules qu'on a dans les phares en bas, là, dans la partie basse du phare principal. Et je trouve que ça lui rend un petit air assez sympa. Après, bon, du coup, sinon, au niveau de la carrosserie, il n'y a rien qui... Au niveau capot, tout ça, il n'y a rien qui change vraiment avec une Clio. Non, il n'y a rien. Même les blocs optiques, si les blocs optiques sont RS Performance ou pas? Non, ça c'est d'origine. Ouais, c'est vraiment, c'est les mêmes. Mais par contre, la petite barre en noir là, c'est rajouté pour les RS, tu penses? Non, c'est. Ouais, c'est vraiment tout quoi. Parce que ça lui donne un petit air un peu agressif. Après voilà, si tu veux, on peut passer sur les jantes. Les jantes qui sont des RS de base. Jantes d'origine aussi. D'accord, ouais. Avec. Au niveau des freins, c'est d'origine aussi? C'est tout d'origine. D'accord. Pour l'instant, freinage, il n'y a vraiment que l'extérieur qui a été fait et qui a été changé. Ouais. Et là, on est du coup sur du Dunlop en combien de pouces? 18 pouces. 18 pouces, ouais, d'accord. Ouais. Avec du coup, vous avez ici le petit logo RS. De toute façon, je vais vous faire des petits plans après, histoire de bien que vous puissiez bien voir. Après, bah, du coup, sur le profil, c'est là qu'il y a le truc intéressant. Donc, par contre, du coup, le logo Trophy avec les damiers, c'est d'origine? Non, ça c'est l'ancien propriétaire qui avait. Ok, d'accord. Et puis bah la lame avec le, enfin la petite écriture Trophy en rouge, ça c'est. Ça c'est moi, c'est avec le covering. D'accord. Donc c'est. Est-ce que en sortie d'usine elles l'ont ou pas? Oui. D'accord. Parce que les baguettes sont grises. Ah oui, sont grises. Oui, c'est moins, voilà, c'est moins viril quoi. Bon, du coup le covering, c'est si on peut en parler un petit peu au niveau du thème et de. Si t'as été inspiré. Donc le covering, j'ai fait pas mal de recherches. Donc sur le groupe Clio 4RS, je voulais me démarquer un petit peu de tout le monde parce qu'on voit beaucoup des stickers Renault ouais.
acheter sur des sites. On voit toujours les mêmes hein, de toute façon. Oui, c'est vrai. Donc j'ai fait 2-3 recherches sur internet et j'ai trouvé le motif. Ouais. Une photo du motif en fait. Ce qui est surtout en triangle en fait. C'est ça. Avec ouais. les trois. Je sais pas comment on peut appeler, mais ça fait un peu une petite étoile dans un triangle. Enfin, ça la rend un peu plus impressionnante aux yeux des passants, puis même globalement. Le ouais. noir, en fait, se marie très très bien. Ouais, franchement, la couleur Renault de base, franchement, se marie bien avec le... Oui. Ouais. Mais par contre, du coup, au niveau de cette couleur-là, t'as repris le rouge flamme ou c'est, non, ou c'est un autre? Non, ça, c'était sur le motif. En fait, le motif que j'ai trouvé est vraiment sorti comme ça. Ouais. Donc c'est pas du coup le rouge flamme qu'on peut... Non, ouais, coup, d'accord. Pas du tout. Et du coup voilà, du coup t'avais demandé qu'il y ait un dégradé. J'ai contacté ouais. Fucking 01 et AD Custom. Mm-hmm. Donc c'est eux qui m'ont un petit peu aiguillé aussi sur le projet. Ouais. Mais je voulais faire un dégradé. Bon, ça ressemble beaucoup à la coupe franche de la 208 GTI. Ouais, c'est vrai. Mais on me l'a beaucoup fait remarquer. Ça part du... Bah moi aussi d'ailleurs. Et ça part d'une bonne... Après, c'est une bonne idée. Chacun ses goûts. Oui. Bon après, j'ai fait le petit dégradé en fait qui va jusque l'avant. Ouais. Justement pour éviter de rester sur une coupe franche. Bah c'est vrai que peut-être la coupe franche aurait été complète en fait s'il y avait eu... Il aurait manqué quelque chose. Ouais, je pense aussi. Et franchement, ça rend très très bien. Et puis même le motif des tri... C'était pour éclater, faire ouais. l'arrière plein et faire un éclaté en fait, ouais. Qui est jusque là. Ouais, d'accord. En tout cas, c'est franchement, le rendu est super et puis c'est vrai qu'on la reconnaît bien, elle est assez frappante. Après, au niveau de l'arrière, c'est pas grand-chose de différent, à part le freinage qu'à l'avant. De toute façon, c'est... Non, c'est les mêmes. Tout est pareil, oui. Pour l'instant, rien de changé, ouais, rien ouais. plus. Ça va venir mm. Mais C'est marrant, mais cette petite partie-là qui revient, c'est on la remarque beaucoup mieux avec le covering. C'est vrai que j'avais pas fait attention, ça doit être sur toutes les Clio normalement. Ouais, ouais c'est parce qu'il n'y a pas de changement au niveau de la largeur des trains sur les Clio RS. Non, alors non. On peut, il y en a qui l'ont fait, ils ont mis le body kit. D'accord, ouais. Oui, mais je vois, ouais, il y a des. Toute la partie ici là où ils viennent fixer voilà, un. C'est un rajout en fait sur toutes les. Ouais autres, ouais c'est ça. Ouais, ouais ça appuie en fait les hanches de la voiture. Ouais c'est ça. Ça se connaît un peu quand même. D'accord. Après du coup à l'arrière on a surtout bah, évidemment la grosse pièce qui est d'origine RS Performance. C'est ça. Avec un double étage en fait de bon on a le becquet d'origine avec cette belle vague. Donc c'est un matériau normal, rien de spécial. Non, non voilà, il n'y a pas de carbone, pas de... Non. Parce que, aucune pièce ouais. carbone pour le moment. Renault. Du coup, au niveau des optiques, ils sont légèrement teintés, on a l'impression. Ou bien c'est le covering peut-être qui fait cette impression. Mais, ouais, les optiques sont d'origine. Ouais. Mais de base, ils sont un petit peu fumés quand même. Par RS, ouais. Par Renault, Sport, ouais, ouais. Par Renault, ouais. Après, le badge, du coup, tu l'as fait noir. Donc il y a la caméra qui ressort au milieu. Et puis sinon, bah, pour l'arrière, ça reste une Clio, à part le diffuseur, comme tu l'as dit, qui est pas d'origine en termes de coloris. J'ai fait le coloris ouais. noir dessus aussi. Ouais. Et puis avec des sorties, donc à Krapovic, que tu as laissé, parce que tu vois, tu as quand même fait une petite modif. Alors j'ai fait enlever la Krapovic, la ligne à Krap, pour mettre un cutback sur mesure de chez ProWeld. D'accord, ouais, donc de leur propre usinage, c'est ça. Ouais, qui sortie sonne assez bien du coup. Chez eux. Donc 4 bacs à clapet. D'accord. Bon, ça te permet d'avoir un quotidien quand même parfois tranquille ou bien quand ouais, on veut quoi. Ouais. Bah franchement au niveau extérieur, franchement elle est belle et puis sous tous les angles on peut dire parce que c'est vrai que habituellement les voitures bah, parfois il y a une partie qui est vraiment beaucoup plus réussie puis l'autre un peu abandonnée. Et après je pense que le covering et le kit en tout cas au niveau de l'aileron aident bien à la faire perdurer parce que c'est vrai que on pourrait dire oui c'est une voiture démodée bah franchement aujourd'hui on dirait un petit Batman énervé quoi avec son aileron quoi. Moi je pense qu'au niveau de l'extérieur on a fait le tour. Il y a rien de plus il y a 2-3 modifs qui vont arriver d'ici fin d'année. D'accord. Donc antenne requin, je vais changer l'antenne oui, parce que bah voilà, oui. Ça, c'est... Le problème, c'est que quand j'ouvre le coffre, l'aileron touche antenne. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, c'est vrai. Hein. Donc, ouais. Non, puis l'antenne requin, ça oui, bien, ça finira bien.
Et puis sinon t'as d'autres projets D'autres projets, donc là j'ai un stage 98 D'accord. dessus, fait par RS Thunes PACA. Donc ouais, donc Donc t'es allé dans le sud, ouais. spécialiste Renault. D'accord. Donc d'origine 220 et là elle sort 240 chevaux pour Oui, donc. 330 Nm de couple. Et en termes de poids, ça fait. Une tonne de 50. Oui, donc le ratio est franchement Donc exploitable et puis à la fois plaisir et performance, quoi. Ah oui, très très bien. En face, voilà, bah, enfin, de toute façon, la Polo GTI par exemple, ouais. Je pense qu'elle est derrière. Parce que là, bah, si on peut parler de la concurrence, bah, de toute façon, déjà à l'époque, il y avait déjà Fiesta ST, les dernières, qui sont en 3 cylindres, mais 200 chevaux d'origine. Et puis après, Polo GTI, Et Corsa au PC. ouais. Il y a la Toyota Yaris GRMN, mais bon, bah, il y a la 208 GTI quand même, en tant que française. Mais ça tourne toujours autour des 200 chevaux, Des quoi. 200, ouais. Bah, franchement, on va pouvoir passer peut-être à l'intérieur, coffre, moteur, puis après on ira sur la route. Oh bah du coup là on va partir sur l'intérieur, donc contre-porte assez normal, enfin ils ont pas cherché à faire un truc de dingue non plus, mais voilà il y a un peu de, on va dire, de la mousse là, c'est C'est plutôt classique. ouais, et là c'est quoi, c'est un petit peu de la mousse, mousse, non il y a Non, rien, c'est... vraiment, Ouais. et puis bah du coup vous avez toutes vos commandes ici, donc au niveau rétro et puis niveau vitre, vous avez ici le basse réflexe. Donc, vous pouvez aussi avoir du Bose sur les KeyOS, mais là, donc c'est un basse réflexe. Ça doit bien sonner, ça va? Ça fait le taf. À l'utilisation, ou Ouais. ça fait le taf, ouais. Après, le but, c'est pas de mettre la musique à fond. Ouais, bah, de toute façon, avec une ligne Froebel, il y a la musique qui est déjà là. Ah oui, on n'avait pas peut-être parlé des rétros noirs, c'est d'origine ou c'est toi qui l'as fait? C'est d'origine. D'accord, ouais, Rétro noir d'accord. d'origine. Après, bon, on a un seuil de porte qui est assez beau, enfin, puisqu'il est assez présent. Donc en alu, avec le pédalier en alu, et donc les sièges ici RS, avec surpiercure rouge, donc ils sont cuir, c'est ça? Ouais, En cuir. cuir, et puis avec ici un peu de perforage. On a aussi le petit tapis Renault Sport, et sinon c'est électrique le réglage ici pour... C'est Ça, pour le c'est sèche sèche-chauffant? chauffant, Ouais, ouais. d'accord, sèche-chauffant. Ah ouais, là quand même. Ouais. Et sinon, le réglage bah, manuel, quoi. C'est ça. C'est pas non plus une voiture de luxe, hein. J'emmène sur le circuit d'ailleurs. J'en ai encore jamais fait. D'accord, mais c'est potable. Je compte en faire. Ouais, bah oui, ça fait Oui, pour, hein. donc de toute façon, voilà, c'est ce qu'on dit. Faire des bagnoles Renault Sport, souvent c'est assez rudimentaire, mais pour faire la performance, on n'a pas besoin d'avoir du poids en réglage électrique, quoi. Ah non, 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 il faut Ouais, pas. faut pas. Après, au niveau du tableau de bord, bon, là vous le voyez assez bien dans son ensemble. Bon, on a un tableau de bord, disons, bah, de Clio. Et ce qui va changer, par exemple, ici, vous allez avoir le petit cerclage rouge, un badge Renault Sport ici. Le volant, est-ce qu'il change ou non? Non, C'est un volant de c'est Clio. ouais. Voilà, ouais, d'accord. Après, vous avez les palettes, puisqu'on est sur une boîte ODC. Avec combien de rapports sur celle-là? Six rapports. 6 rapports. Et autrement, vous avez. Alors, hop, je m'assieds. Vous avez les compteurs en face de vous, tours minutes. Du coup, c'est un compteur digital pour les kilométrages. Donc vous avez les tours minutes. Donc évidemment, voilà, si vous faites du circuit, au moins vous avez ça. C'est quand même en physique. Enfin, c'est ce qui est le plus important, généralement, en circuit, les tours minutes, quoi. Donc la jauge à essence, qui est assez grosse. Et bah, après, vous avez tout ce qu'il y a de normal, hein. Autrement, ici, vous avez l'écran avec évidemment la spécialité du RS Monitor. Après, sinon, vous avez vos réglages de clim manuel, machin. Un bouton pour le start and stop, la boîte ODC ici avec surpiqûre rouge. Ici vous avez des surpiqûres aussi sur le pommeau de frein à main. Ah oui, le RS Drive c'est pour le mode sport, c'est ça? C'est ça, sport et race. Ouais, sport et race. Et ici vous avez bah, limiteur et régulateur. Autrement, bah, pour la place, vous avez ici bon, un petit espace de rangement, une boîte à gants, un petit peu de place pour une petite bouteille ici, et bah, le sticker Renault Sport qui est d'origine. D'origine, ouais. Ouais, d'accord. Puis après, voilà, en haut, bah, vous avez quelques lumières. Sinon, c'est une voiture qui est assez simple à l'utilisation, hein. De toute façon, c'est une Clio. Mais voilà, c'est le principe des GTI qui sont des voitures de ville grimées en voiture de sport. Donc voilà, la simplicité puis l'efficacité, quoi. C'est ça. Ouais. Autrement, moi, si je peux me permettre pour d'ouvrir l'arrière. Vas-y, fais-toi plaisir. Petite poignée en haut de la vitre, qui s'intègre à la vitre. Donc un arrière assez simple. Bon après vous le voyez, il n'y a pas forcément énormément d'espace, on va dire que vous avez une vingtaine de centimètres à ce niveau-là. Après bon, je sais pas si toi tu conduis proche ou loin
du volant. Je pense que moi, en fait, je me mets toujours très loin. Donc, c'est une citadine, voilà, où il n'y a pas forcément beaucoup de place, mais. Ouais, déjà de base, il n'y a pas spécialement de Ouais, dans place une à Clio, pas l'intérieur. forcément. Ouais. Parce que le siège n'est pas forcément plus massif que celui d'une Clio. Du tout. Non, donc en fait, par rapport à une Clio, voilà, vous y retrouverez assez facilement. Après, ce qui est sympa, j'avais oublié à l'avant de vous montrer, c'est les ceintures rouges. Ça, Renault, ils aiment bien, et puis moi, je trouve ça donne de la vie à la voiture, parce qu'on passe la plupart du temps à l'intérieur. Et voilà, les banquettes à l'arrière sont aussi bien travaillées qu'à l'avant, donc ça, c'est sympa. Et puis, bah, sinon, voilà, enfin, c'est une voiture assez simple. Évidemment, on critique toujours le plastique chez Renault. Franchement, j'ai envie de vous dire, le cuir, les matelas dans les portières, ça, c'est plus du poids qu'autre chose, donc. Et puis sinon bah le coffre, ouais du coup ben le petit inconvénient de l'aileron, voilà ça va être l'antenne, même s'il y a une petite vague au milieu, mais bon Oui, forcément, l'antenne ça l'antenne, va pas ça la reste casser non plus, mais donc l'antenne, ça retient. ah si quand même il y a de la place, on peut mettre une bonne valise là-dedans Bah, du coup, avec un sac en plus, comme il n'y a pas le pack Bose, le ouais caisson, en fait, il y a la place du caisson qui est en plus. d'accord, donc c'est cool, il y a vraiment franchement je me dis que tu peux mettre un chien, une grosse valise ou je sais pas quoi. Mais enfin une vraie valise de voyage d'avion quoi, il y a de la place quoi. Bon, on est parti à 3 en vacances, c'est tout mis dedans, donc Ouais bah c'est franchement. nickel. Il y a de la place. Ouais. Et puis même en hauteur, je vois que quand même tu peux peut-être mettre encore des sacs et tout ça par-dessus. Oui, non, Ouais. ça Et tient pas puis. mal de choses quand même. Donc voilà, après sinon c'est une finition normale avec un petit seuil plastique. Et puis vous les retrouvez, de toute façon c'est une Clio, hein, c'est pas comme je dirais un coupé ou une supercar qui est vraiment un produit unique issu de nulle part. Là c'est vraiment vraiment une voiture qui a été modifiée, mais ça reste quand même une bonne base de Clio pour la vie de tous les jours quoi. Ah oui, la question est-ce que par rapport à une Clio RS normale, la Trophy a quelque chose de supplémentaire? Le châssis. Le Le châssis? châssis Trophy Ouais. beaucoup plus dur Ouais. que le châssis de la Cup. D'accord. Donc tu peux un peu mieux t'amuser avec Mais ils n'ont pas changé de puissance. Si tu parles de la Cup phase 1 et phase 2 qui ont 200 chevaux, les Trophy ont 220. D'accord, ouais. Donc Trophy phase 1, Trophy phase 2, 220. Par contre, après, il n'y a pas non plus trop de changements. Ils n'ont pas essayé de faire. Enfin, ils y sont pas allés à faire des éditions avec la banquette arrière enlevée, machin, tout ça. Non, non, non. Non, non, ouais. Donc ils sont restés Non, non, sur soft. les Clio, ils sont vraiment Ouais. restés. Ils ont fait 2-3 changements intérieurs. Ouais, un truc utilisable au quotidien Voilà. aussi. D'accord. Donc, on est là ici devant le moteur. Donc, évidemment, un 4 cylindres. Donc, un turbo. Un litre 6 turbo. Ouais, chez Renault, de toute façon, toutes les RS ont des turbos. Sauf la Clio 3 RS qui est en Atmo. D'accord. Et donc là, bon, on voit surtout les durites qui sont assez épaisses. Enfin, c'est assez imposante. Du coup, toi, t'as mis. C'est toi qui as fait les changements ou tu l'as fait faire ou comment? Alors la durite de turbo était déjà présente dessus. D'accord. J'ai juste changé la call side. Donc la durite qui est là. Parce que ça c'est la maladie des Clio 4RS, elle casse très très facilement. D'accord. Ouais. Donc call side renforcée de chez TPMS. Et j'ai changé l'admission. Ouais. Donc admission ITG qui est là. Ah, c'est l'admission d'origine fait pas très bien le taf, on va dire. Ouais. Si tu as une conduite vraiment très sportive, ouais, il faut changer pour ITG. Ouais. Et sinon, au niveau du moteur, donc t'as fait un stage 1? Stage 1, 100 plombs 98. D'accord. Et du coup, au niveau des chiffres, Donc, on passe de quoi à quoi, du coup? de base, 220 chevaux pour 270 Nm de couple. D'accord. Et le stage 1, comme je disais tout à l'heure, fait par Restune PACA, Ouais. qui sort 240 chevaux à ma demande Ouais. pour rester fiable quand même. Oui, bah oui, puisque les pièces après, faut qu'elles Voilà, résistent. j'ai tout, j'ai l'admission et l'échangeur Ouais. pour faire un stage 2, Donc, tu as fait un gain de 20 chevaux. mais pour l'instant j'ai fait qu'un stage 1. C'est raisonnable Voilà. vis-à-vis des pièces, ouais. Donc 200. Souvent, ouais, ceux qui mettent 300, après, les pièces, elles cassent, et puis c'est pas. C'est pas forcément fiable, après Ouais. chacun son point de vue, Oui, oui. C'est. Bah, Donc. disons que, de toute façon, vu le ratio, comme on en avait parlé, au niveau du ratio poids-puissance, de toute façon, c'est acceptable. C'est pas. Ah oui, Voilà. ça c'est sûr. Donc 240 chevaux pour 330 Nm de couple. D'accord. Et ben, sinon c'est à peu près tout au niveau du moteur. C'est à peu près tout. D'accord. Et puis Toutes les modifs que j'ai faites sur le moteur sont là. au niveau des catalyseurs.
Donc kata d'origine. D'accord. Donc t'as pas des katas. Bah des katas, je vais sûrement le poser fin d'année. D'accord. Donc j'ai un projet stage 2 plus des katas. Donc il va sortir pareil à voir avec Restu Paquet du coup. Donc c'est vraiment celui qui s'est occupé de la bagnole quoi. Ouais. Bah pour le stage, après le reste, il y a beaucoup de monde qui sont passés autour de Oui, la bien sûr, voiture. mais on va dire que l'acteur principal au niveau De la prépa moteur, de la ouais, prépa, ouais. c'est RS une paquet, ouais. Bon Donc bah sinon, stage 2 des ouais, cata un stage de... éthanol. D'accord, donc tu passeras sur de... Ouais. Bon bah en tout cas merci pour les petites infos sur le moteur. Et De puis rien, on pourra c'est plaisir. passer à l'étape route C'est parti. la plus attendue. Bon du coup là on est en village, ça permet de voir un petit peu comment elle va se débrouiller. Parce que ça reste une voiture qu'on peut utiliser tous les jours. Bah, niveau sonorité, on a l'avantage d'avoir les clapets. Après voilà, ça fait quand même un bruit sympathique. Et par contre, le petit détail du coup de la trophie, ça va être au niveau du châssis qui est un petit peu plus dur. Bon là, bon, ça saute un peu, c'est pas non plus dramatique. Mais c'est vrai que, bah, il faut le dire, il y a une différence avec ce que vous pouvez avoir l'habitude de conduire ou d'être passager. Donc là, bah, on a une petite vitesse dans les villages, les petites routes. Puis ensuite, on va aller sur des routes un peu plus adaptées pour les GTI, pour exploiter un peu ce genre de voitures. T'as mis le RS Drive, ça? Ouais, j'ai D'accord. activé Mode le Mode Sport? Race. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre Mode Race et Mode Sport là-dessus?
dire un truc, c'est vrai que à chaque boss, le mouvement est assez amplifié. Enfin, c'est une suspension quand même qui a été ready enfin, par Renault Sport quand même. C'est vrai que bon voilà, on les sent bien, mais bon, comme on l'a dit, le siège ça va. Donc c'est plutôt peut-être au niveau de la conduite du coup que ça va vous changer la vie. Parce que franchement, bon, le siège vous le ressentez, mais c'est pas trop gros. Les gars, démarrage. On commence par mode confort. Clapet fermé, ouais. Petit ronronnement sympa. Ah, ça commence à péter. Ah, les clapets s'ouvrent. Bien la différence hein. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette sonorité, que vous avez apprécié l'essai dans son ensemble. Bon, c'est la première fois que je présente une voiture en même temps que je filme le propriétaire, donc évidemment c'est pas filmé de manière géniale, mais en tout cas cette voiture elle m'a vraiment beaucoup plu. Je remercie vraiment énormément le propriétaire
j'ai affiché son Insta, Chris RC4RS. Et je vous invite à vous abonner aussi au compte Instagram pour les photos. Et puis moi je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Il y en a d'autres qui arrivent avec d'autres passionnés de voitures. Allez, ciao, à la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner.